Me suis tapé pour toi deux épisodes de la nouvelle série Post-Apocalyptique Silo sur Apple TV. Je vais entendre Titi, l'anticipation dans le tapis, parce que pile poil entre les vrombrissantes voûtes du jeu vidéo Fallout et les soubresautantes soutes du jeu papier paranoïa, je tripe sur cette esthétique bétonnée, l'architecture si brutaliste qu'on se croirait parfois à la station Lucien Lallier. En plus d'une succulente rétro-technologie analogue au coton, vieux ordi rameurs comme on trouverait dans la série Severance ou même l'univers Blade Runner barre oblique alien, ça me fait vibrer. On y suit une batch d'humains poignées sous terre depuis un méchant bail, craintif de l'extérieur, dévot à un système où les mots sont pesés, les questions sur le passé interdites et les distributeurs de pèse entièrement illégaux. Ça promet. Euh, dans ce Silo en tant que tel, certainement c'est une histoire de complot. Euh, on retrouve euh, des milliers de personnes sous terre dans une grande tour à 170 kuk étages euh, dans lequel euh, la, la vie bat son train. On a euh, un étage un peu à la Snowpiercer, piercer, euh, agriculturelle avec des vaches, on a euh, euh, des, des, des plantes qui poussent, on y récolte tout ce qu'il faut, on a des étages plutôt industriels, des étages plutôt administratifs. Euh, on a le shérif de la plastre qu'on suit dans le premier épisode qui euh, tente, alors euh, on, on débute sur cette storyline où il, 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 lui et sa femme Rachida Jones ont la permission de, de tenter le coup de procréer, d'avoir un bébé. Ils ont exactement 365 jours et on les suit au courant de cette première année euh, alors qu'ils essaient de se reproduire de s'accoupler, et d'autres synonymes, de fricoter, Et sans suite une course folle de révélations, de, de tensions, de, de, euh, de défaillances psychologiques aussi, et de découvertes qui changera leur vie à tout jamais, cette espèce de sous-jacence, j'oserais dire, cette espèce de marionnettisme. Qui tire les ficelles de cet endroit Qu'est-ce qu'on nous cache euh, Vraiment fantastique. On débute avec énormément de questions et plus on a de réponses, plus ça génère une réaction en chaîne de questions, ce que j'apprécie drôlement. Je ne les ai pas lus, les bouquins. Mon frère, Alex Atman, ce vaillant gaillard, ce brillant type, me les a vendus. Oh, combien amoureusement lui a capoté sa vie sur cette fiction et, et, et euh, miraculeusement ne m'a rien spoilé, m'a recommandé chaudement de demi plongée Je me suis un peu coupé les coins ronds, j'ai pris ce raccourci, euh, mais je sais qu'il s'agit d'une histoire de qualité. Et je pense qu'avec Apple TV, on peut faire confiance que la, que la production va demeurer de haut niveau. Là. Euh, tout ce qui touche se transforme pas mal en or, je vous dirais. Ouais. Mais oui, lisez les romans avant. Je, je n'entends que des éloges à leur égard. C'est un univers dans lequel je baignerais 24 sur 24. Euh, je ne pense pas que je serais tant malheureux. Mais il y a une forme de, euh, de volet sectaire très perturbant dans la patente. Des gens qui sont aveuglément, complètement euh, dédiés. À, à, à cette entité qui est le silo, à la préservation du silo, à la protection du silo. Et bien entendu, comme dans ce jeu de rôle, Paranoia, qu'on a la chance de tester avec Joueur Sans Fromage sur Twitch tous les jeudis sur la chaîne actuelle, QTC, euh, Oui, il y a cette, ce volet de, de, de traîtrise, de abat les rebelles. Euh, ils nous ont tout ruiné. Euh, on va dénoncer son voisin et tout le tralala. J'aime beaucoup, beaucoup ce mood. Je vous recommande Silo. Il y a juste des, deux épisodes de sortie à date au moment de, de, de publier euh, ceci. Euh, ça sort les week-ends, je pense, le vendredi ou le dimanche. Je ne suis pas exactement certain. Apple TV, les dystopies, c'est moi. Et euh, yeah. Yeah. Les gens se forcent. Je suis in, je suis partant, je suis, je suis fan.